c'est pas Timon qui gagne. Normalement, la guide des mages est là-bas. Bonjour, compagnon. Quoi de neuf? J'ai vu des crabes, des vases au bord de l'eau récemment. J'ai fait bien attention de passer au large. Quelle créature repoussante. J'espère que je n'en verrai plus jamais. À la revoyure. Prenez soin de vous. Salutations, invocateur. Rien n'a changé, mon enfant. Les voix hurlent encore, et je ne peux pas entendre. Si elle pouvait être enfermée, alors notre travail pourrait commencer. Mais le travail va pas tarder à démarrer, t'en fais pas. Vous l'avez trouvée, n'est-ce pas? Oui, la pierre de voyant. Vous avez réduit au silence les mains qui ont trahi et pris ce qui m'appartenait. Alors donnez-moi la pierre pour que les voix se taisent. Je les ai entendues. Ah, mon enfant, je vous remercie pour votre aide. Maintenant que les voix se sont tues, les paroles que vous cherchez sont venues à moi. Vous aurez ma recommandation. Oui, merci. Mais je dois vous avertir. J'ai vu des choses dans votre avenir. Des choses qui se réaliseront peut-être, et d'autres certainement. Le sort de beaucoup sera entre vos mains. La vie et la mort sont étranges, facilement manipulées. Et les deux vous manipulerez. Eh oui. Moi j'ai bien l'intention de devenir... Bon, j'ai la classe mage guerrier. Mais dans l'idée de devenir un demi-dieu vivant, un peu comme Vivek. Vec devenu Vivek. Ah là là, des rumeurs. Le siège de la guilde de Korol a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. Leiawin. Montrez-moi votre main. Je vois la ville dans la main et la main dans les étoiles. La tour garde la porte, mais c'est la porte qui détient la clé. Le roi est la clé et la main le garde. Ah, vu comme ça. À bientôt. À bientôt. Minuit, 6h du matin. Ouais. On fera la quête là juste après nous. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres. C'est un plaisir de parler. Oui, à plus ma grande. Adieu. J'ai envie de parler. Vous croyez? Vous avez appris cette match? On raconte que des dédrapés l'auraient totalement rasé. Ça n'est pas possible. Absolument.
Vous avez des nouvelles des autres provinces? J'ai entendu. C'est bon que je m'offre un petit somme rapide. Ah, peut-être pas rapide, parce que là on arrive en soirée. Je ferais peut-être bien le pioncer pour de bon. Bonne journée. Qu'est-ce que c'est? J'espère pouvoir vous être utile. Oui, peut-être. Des rumeurs? J'ignore ce que l'archimage Traven a contre la nécromancie. Mais quand il a été nommé à la tête de la guilde des mages, sa première action a été d'en interdire la pratique. Ouais. À bientôt. Qu'y a-t-il à ça? Je suggère que vous partiez pour la cité impériale. Vous ne gagnerez pas d'argent en restant ici. Ouais, sauf que dans ton équation, tu as oublié une variable qui est redoutable et qui pèse lourd, qui sont les portails d'Oblivion. Crois-moi que je vais me faire du fric avec tout ce que j'ai à ramener de cette dimension parallèle. Des rumeurs? On dirait qu'il y a de nombreux problèmes au siège de la guilde de Bruma. Jeanne la dirige vraiment très mal. Ouais, je retournerai à Bruma plus tard. Saluez Julienne de ma part. Oui. Bon voyage. Avec plaisir, Strassa. Ravi de faire votre connaissance. Il n'y a que des articles de qualité ici. Ah. Que puis-je vous offrir? Les ingrédients m'intéressent, ma grande. J'ai acheté toutes ces pierres, laisse tomber. Moi, je peux lui vendre des trucs ou pas? De quoi faire de la paralysie, ce serait bien. La fortification de personnalité. Je sais pas si elle a. Paralysie, regain de personnalité. Il faut que je trouve ça. Regain de personnalité, paralysie. J'ai la guérison de la paralysie, mais pas la paralysie, c'est pas la même chose. Oh, j'ai pas du tout ce que je souhaite. C'est la caca. Puissent vos voyages se faire en toute sécurité. Ouais, merci, toi aussi.
Je vais me reposer 10 heures, c'est un repos bien mérité. J'ai même pas regardé les propriétés de la pierre que j'ai récupérée de, d'Oblivion. Ouh la vache! Sacrée augmentation des attributs! Silence quand je frappe, très intéressant. Ou alors caméléon. Oh, je préfère que je fais usage du silence, donc ça va être de la frappe. Ça va être de la frappe. La muette. Ah, ah. Oh, 3240 charges. Waouh. Déjà quand il y a 1800, c'est un bon truc. Alors 3240 et que 45 par coup. Je comprends pourquoi la l'objet vaut 1800, presque 2000 par défaut. Oh, alors de loin, c'est le meilleur enchantement que j'ai jamais fait. Oh putain. Là, je réduis la magie. Ah, oh, c'est énorme. Et là, je rends muet. Putain, mais là... Putain, mais hey, je deviens d'une puissance... Mon équipement, il est tip-top. Oh, c'est génial. Oh la vache. Le deuxième prénom de Gwendoline, c'est violence. Po, 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 comme diraient certains. Il fait encore nuit là. Ah. Ouais, le temps que je sorte de la ville et que je le rejoigne, il sera trop tard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une autre porte de l'Oblivion. Je vais me faire une autre porte de l'Oblivion. Attends, si je retire toutes mes aides de... Je suis limité à 260, c'est ça? Vu comme ça, je vais pas loin. Faut que j'ai un endroit où je puisse déposer mes ingrédients de chimie. Pour pouvoir me mouvoir, ça c'est dangereux. Alors que je suis censé être en phase à nouveau de combat. Donc il y a un truc qui va pas dans mon équation. Bonjour associé. Oui, bonjour tout le monde. Il y a une cave ici, non? Où est la cave?
Non. Ça, c'est une chambre, ça, c'en est une autre. Ah, la cave est là. Non ? Non. Ah, la cave est là. Ah, bah, je pourrais même dormir là, disons. Oh, je l'attends. Je mets mes affaires dans ce coffre-là. Ou dans le buffet, je sais pas. Ah. Attends, je vire le sablier. Excuse-moi, mais... Ouais, bah je prends le deuxième là. Merde, non, je me plante. J'ai pris les deux sabliers, mais quel crétin je fais. Ouais. Alors. Faut que je dépose des trucs. Faut que je dépose des trucs. D'ailleurs, ça me fait penser, du coup, comme j'ai deux armes pour réduire au silence et au soustraire la magie, comme j'ai l'équivalent aussi en potion, la potion, faut que j'applique sur des flèches. Comme ça, je fais écoper à l'ennemi d'un malus à distance. Faudrait que j'agisse de la sorte. Et là, je serai tout puissant en gérant comme ça. Bon, on va faire un test. J'espère que je fais pas de dannerie. Ah, tu penses que ça va me libérer d'un poids, ça? Celle de feu, oui, j'en ai encore, mais ouais. Ouais, je suis déjà beaucoup plus léger là. On va faire le test. Parce que tout ça cumulé, ça pèse lourd, hein, ces conneries là. Ça pèse lourd. Donc je fais une sauvegarde spéciale. À ne pas écraser. Et là, je suis prêt pour l'aventure. Et là, je vais me faire un portail de l'Oblivion. Un autre. Oula, il y a eu un clipping inversé. Attends.
pourquoi il m'indique comme une grotte alors que je suis dans un patelin? Ne me dis pas que ce qui m'indique est la grotte des roseaux de si loin. Ça n'a pas de sens. J'ai un truc très bizarre. J'ai un truc vraiment très bizarre. Tiens. Ah oui, il y a un mendiant qui est là. Vous n'auriez pas une petite pierre? Une pièce me suffit pour manger toute la journée. Mon pauvre, t'as même pas de quoi t'habiller. Oh. Merci, chère madame. C'est l'extrême misère. J'ai entendu dire que la comtesse avait demandé à quelqu'un de régler cette histoire avec ce soi-disant chevalier de Mazoga. C'est ça. Elle est avec moi, figure-toi. Mistara vous bénisse. J'avais oublié que j'avais un cheval. Oh mon pauvre! Je fais tellement de trucs que j'oublie que j'ai un cheval. Heureux de vous rencontrer. Un instant, s'il vous plaît. Pardon? Peut-être pourrez-vous m'aider. Je cherche des vendeurs de skooma. Pas dans cette ville. Des vendeurs de skooma, il y en a dans une ville plus loin, plus au sud. Plus au nord, pardon. Au sud, c'est la mer, je suis con, moi. Un petit groupe de vendeurs de skooma mené par un Dunmer du nom de Kilius Lonavo se terre dans le campement de Terre Grise, un peu plus loin sur la route. Cela fait des mois que j'essaie de capturer Lonavo. Mais à chaque fois que j'approche, sa sentinelle me voit et il part en courant. Il faut que quelqu'un aille là-bas et élimine ces minables, coûte que coûte. Nous devons nous procurer ce poison qui se vend dans la rue. Rapportez-moi l'anneau de Lonavo pour me prouver que vous vous êtes chargé de lui. Et la récompense est à vous. D'accord. Ça me va. D'autres infos? Ne tournez pas le dos à Lonavo une seule seconde. Il n'hésiterait pas à y planter sa lame. Ben, je vais me faire une joie de faire ça maintenant. Faites attention. Lonavo est un traître. D'accord. Ah, mais il est tout proche. J'ai cru voir d'une autre. Comme ça, je comprends mieux. Vous avez un peu de propre race. Vous allez me tenir ensemble. T'as tué ma copine? Et moi aussi. Ha ha!
Ah, ce cri. On a gagné. Bien joué. Dur. Bon, un petit somme d'une heure. Ça fait du bien. Ah, elles sont puissantes les Clément F, mais elles pèsent une tonne. Ouais. Oh, Clément Feu. Montre-moi ça. Ah ouais. Fâche. Ah oui, elle fait mal la clé morfeu. Je ferais peut-être bien de l'utiliser en attendant. Et quand j'aurai épuisé toutes les charges, même si elle est pétée, je la revendrai, elle vaudra une fortune. Cool. Ça fait toujours rire de récupérer des parchemins. Entière conquête. Ah oui, ce fameux anneau. J'ai récupéré l'anneau de Culius le Navo. Il faut que je le rapporte à l'Exorexus le plus vite possible pour obtenir ma récompense. Ah oui, il a l'ensemble elf. Il a une armure elfique, le Mickey. Mmh. Bien vu, bien vu. Qu'est-ce que je fais? Je récupère et je revends ça en ville? Ouais, une bonne idée. Une bonne idée. Quoi? Noix de bois de fer? Attends, ça vaut quelque chose en alchimie la noix de bois de fer? Ah oui! Waouh! Ah, je connaissais pas! Une noix de bois de fer. Ah, je connaissais pas du tout. Ah, du skooma. Mmh. Les citrouilles d'Halloween, là. Je vais pouvoir faire de la chimie avec.
Alors, quoi de neuf à terme? Vous avez réussi à capturer le Navo? Ouais. Prends son anneau. Vous avez réussi? Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Parlez de divin. Je vous salue au nom de la Légion. Voici la récompense que vous avez bien méritée. 220? Bon. Je vais dire que c'est modeste. Je vais pas m'en plaindre. Je regrette. Je dois aller me présenter au château de Legabo. Excusez-moi. Ah, tu vas faire ton débrief au con. Ça va de soi. Je comprends parfaitement. Montrez-vous que je puisse vous voir. Que puis-je pour vous? Oh, on va parler à faire. J'ai pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'il faut? Non, attends. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil au prix les plus compétitifs. Je te crois. Ouais. Toujours 7 prix. Vous êtes très dur en affaire. Sauf le bouclier. Le bouclier, je me le garde. Vous avez gagné une belle somme. J'en suis ravi. J'en suis ravi. Tu vends les... Ah non, tu vends pas. C'est une bonne affaire. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Ouais, avec plaisir, mon grand. Laissez-moi jeter un œil. Nickel, merci bien. Au revoir. Au revoir, à plus. Réduction de magie, vache. Ah! Voilà qui
est intéressant. Il fait quoi, lui? Puis-je vous aider? Oui, la ville. Quelqu'un vous a déjà raconté l'histoire de Thorvald le pilote? Le haut elfe qui a découvert le Niben? Le saint patron de Ligawin? Ah, non. Non, mais je t'écoute. Vous avez vu la statue? Elle se trouve au sud-ouest de la ville. C'est l'explorateur haut elfe Thorvald le pilote. À l'époque du Mérétique, il naviguait sans arrêt et explorait la rivière Niben. Thorvald a navigué de la baie de Topal jusqu'à la vallée de la Niben. C'est lui qui a acheté aux hommes bêtes les 8 îles, site de la Tour d'Or Blanc et de la Cité Impériale. En échange, il leur a transmis le secret de l'écriture. Bien vite, les hommes bêtes ont su lire et écrire. Ce qui était bien pratique, vu que cela en faisait de bien meilleurs esclaves pour les Aïléides. Eh ben, des rumeurs? Vous croyez ceux qui disent que d'autres portes d'Oblivion apparaissent un peu partout? Oui, t'en as une devant toi et je vais aller casser la figure aux... Prenez soin de vous. Aux intéressés. Histoire que la porte se referme, c'est quoi ça? Ah ouais, les gardes-côtes, ok. Attends, c'est une route ça, non? Je l'ai vu à 15 bornes. Mon radar à Ninroute m'a pas trahi. Oh, il y a même un pont des enfers. Qu'il est. Non. Je vais pas regarder la tête. Déjà à m'épuiser alors que je suis même pas rentré dans leur dimension. Là c'est fort. Là. Attends là. Je suis avec vous. Je sais. T'attends ici. C'est vous qui décidez. Ouais. Je vais aller dans l'autre dimension. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Oula. Oui, bonjour. Il fait bonjour de la main. Coucou. Ah. Un cheval tacheté. Ah oui, bah le cheval tacheté s'est fait défoncer. Je sais pas comment on en est arrivé là. Viens dans la lave. Bon, en atronach de glace, est-ce que t'as de mieux à faire?
galopin qui se prend un peu. Facile. Essaye de m'atteindre. tu chauffes. On s'en sort. Je me pose la question. J'ai envie d'essayer. Ah bah non, c'est liquide. Je pensais que c'était suffisamment pâteux pour que je puisse marcher dessus, mais non. Ma théorie tient pas. Il avait un bâton de fardeau. La bonne blague. Par où je peux passer. J'allais par là-bas. Ah oui. Oh putain, j'avais pas vu. Y'a rien là. Quoique. Pas sûr.
soupir. Ouais, j'arrête les oeuvres. Alors, comment je procède? Vision nocturne. Vision nocturne. Oh merde. Ah, d'accord. Je suis obligé de descendre si j'ai bien compris. C'est un point de non-retour. D'ébène. Magnifique pièce. Caresse d'Oblivion. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Non mais... Vulnérabilité au feu, dégâts de feu. Ah! Oh, c'est non poétique! Oh les cons! Elle, 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 elle. Que faire? On peut faire ça. Ah, il y a la peau de galopin aussi. Je commence déjà à en cumuler. Ça pèse lourd la peau du galopin. Et donc, peau de galopin, on a dit. Résistance. Ah, réflexion de dégâts, ça serait bien. Réflexion de dégâts. Ah non, c'est rarissime la réflexion de dégâts. Ah si, j'ai rien dit. Pardon, pardon. C'est juste énorme. Ok, c'est cool. Alors attends, j'ai deux chemins. Chemin là-bas avec une poche, et là j'ai une poche là aussi. J'ai même une racine qui est pas faite à coup d'eau. Bouclier de myrtille. Ah.
gain de fatigue ou détection de vie. Détection de vie, y a pas. Oh. Regain de fatigue. Qui tu veux que je te dise? Ou vache. Je suis surchargé. Voilà. Là, j'ai trouvé un truc. Les noix de bois de fer. Mais il faut que j'ouvre l'œil sur cette substance magnifique. Mazette. Vas-y voir que j'en... Oh, je peux pas en goûter une maintenant, je suis pas en combat, mais... Oh là là. Ah, je suis sous le charme là. Ouais, bah je peux faire paralyser avec le radar. Toujours ça de près. Toujours ça de près. Ah bah tiens, on va y aller. Ah, dommage. Dommage. Alors, je suis à une autre partie de l'univers. Tête en plein dedans, très drôle. Il a de l'humour. Ah!
Non, mais sérieux? Dame majeure, courage. Il va me défoncer. Thank you.
Oh, cette merde. Attends. Ah oui. Bon, mais il va me poursuivre, c'est pour moi. Ah oui, il va me poursuivre. Ah, j'ai beaucoup de problèmes. Suite au prochain épisode, je vous le dis, moi. Je vous le dis.